Bien les amis, nous arrivons à Hanot. Allez, on va essayer de se trouver une bonne petite place. C'est merveilleux tout ça. Allez, c'est parti. Il y avait un peu de monde. Là, c'est un endroit qui est très prisé. Donc, techniquement, on est presque arrivé. On va pas prendre raccourci. Le raccourci, il va couper les jambes. Les marches sont beaucoup plus hautes. Cette roche là, elle est tellement droite, on dirait un mur qui a été construit. Oh, c'est splendide. Regardez-moi ça. Je suis émerveillé. C'est magnifique. En plus, il y a un courant d'air frais. Une mini grotte. Alors, attendez, c'est clairement une petite grotte. Tony, viens voir. Tu vois ça? C'est magnifique. C'est ça. Oh punaise. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est splendide. Je sais pas si vous avez le même rendu visuel que moi là les amis. Alors là je me régale. C'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est un truc de fou. Si vous voyez cette profondeur. Il y a autant d'espace là, c'est. Ils sont en train de dire que c'est un rocher qui tombe, en fait, il n'y a plus rien. C'est fini. Même cette petite pierre là, enfin cette petite pierre, c'est quand même une grosse caillasse là, il faudrait pas que ça tombe.
Oh, c'est magnifique. Je pourrais vivre ici tellement que c'est beau. Bon, on va continuer. Alors, ça continue. Tony, tu restes là, tu me gardes le sac, s'il te plaît. Là, je vais pas passer si loin. Là, je dis pas comment. Mais c'est étroit là. Galérer là. Ouais, les amis, je suis inquiète, attends. Donc ça avance là. Il y a une autre gorge ici, là. Non, c'est là. Ça continue. J'ai pas le choix. Bon, je passe pas. Non, c'est pas vrai. Ah, ça, c'est la poisse. Quoique. C'est pas assez grand là-dedans. Je vais allumer mon smartphone. Tant pis. En fait, j'ai réussi à passer. J'ai réussi à passer. On est sur la sortie. Bon, bien les amis, je pense que la phase la plus dure, là, ça va être maintenant. Je vais faire machine arrière. Alors, le problème, c'est que si je peux vous montrer un peu là, vous voyez. Je suis pris, je touche des deux côtés. Bon, là, je suis assis, je suis sur le cul. Et je sens un peu coincé là. Il va falloir que je fasse à 90 degrés avec mon corps. Oui. Ah, je vais en faire rigoler certains. Hein, sérieux. Ami spéléologue, hein, je sais que ça doit vous faire rire. Mais je vous jure, pour moi, c'est un truc de fou là. Ah putain. Oh putain, ça va être serré là. Ça fait du bien d'être debout là. Enfin pas longtemps, il va falloir se rebaisser encore. Ah putain. Là, il y en a qui évitait, ça va peut-être rejoindre ce qu'on a fait. Attends, c'est un petit coup d'éclairage. Ouais, joli. Alors là, on est peut-être en haut de la salle qu'on a fait. Attends-moi là, Tony. Attends-moi là, hein, vraiment. D'accord. Ah bah ça continue à monter. On verra en bas.
Oh, c'est canon. Où on était, mais en haut, tout en haut. Là, c'est magnifique, c'est un beau privilège que d'être ici. Hein. Eh bien les amis, voici enfin la chambre du roi. C'est vraiment magnifique. Regarde-moi ce tronc là. Il est énorme. On dirait un mur construit quoi, alors que c'est totalement naturel.